Salam alaikum, Azoufla, bonjour tout le monde. Une vidéo pour vous montrer un magasin qui est très connu, un magasin de soie qui se trouve dans la rue Boudarbala, Abdelrahman, ex-rue Petit à Constantine, qui est perpendiculaire à la pyramide. Donc ça c'est la rue Petit, et puis on va aller vers le magasin Ben Bekir Spa, qui est très connu dans la ville de Constantine. Marhaba bikoum. Donc là, je retrouve la rue Petit, hein, la rue Boudarbala, pour les gens qui connaissent Constantine. Et puis on arrive au magasin Ben Bekir Spa. Alors Ben Bekir Spa, c'est toute une histoire. On va vous la raconter avec M. Ben Bekir lui-même, l'héritier. Là, vous avez le magasin, la Ibarik, Mashallah. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Un magasin assez conséquent, qui vend des articles de sport depuis des années et des années. Voilà. Alors, on va rentrer dans le magasin, et puis on va rencontrer M. Ben Bekir Hamid pour en savoir plus concernant ce magasin qui a une grande histoire familiale, Mashallah. Vous voyez, une belle vitrine, vous avez des maillots de tous les clubs, maillots d'équipe d'Algérie, des maillots pour la jeune féminine, pour les jeunes, pour les petits, football, boxe, karaté, judo, basketball, ping-pong, toutes disciplines confondues. Allez, on rentre. Bismillah. C'est Abdel Hamid. Salam alaikum. Sbah al khair. Sbah al khair. Comment vas-tu? Voilà, alhamdoulilah. La basse? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tu as chenek, khouya. Alors, Abdel Hamid, c'est un ami, c'est un frère. Voilà. On a grandi ensemble, on a fait l'école ensemble, Inch'Allah. Puis la famille Mbeke qui est connue sur la scène constantinoise, non seulement sur la scène constantinoise, aussi sur la scène sportive constantinoise. Abdel Hamid, comment vas-tu? Voilà, alhamdoulilah. La basse? Ça va, khouya, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, justement, ça mérite de faire un petit reportage sur ce magasin qui a une histoire, et aussi le magasin de la rue Casanova qui a débuté le premier. Attends, je suis à Thérir, un peu d'histoire concernant le papa, l'Arhamou, Mashallah. Le papa, c'était un ancien sportif, un ancien joueur de l'équipe de Constantine, Mok Constantine, avec les deux oncles, Lies ou Garmi. Les trois frères Ben Bekir, l'histoire Marofa. Quand mon père, le premier magasin, il a été ouvert en mai 63. Et on l'a appelé Algérie Sport. Il est à la rue Casanova, la rue Bouali Saïd maintenant. Voilà, c'est le premier magasin. Qui existe toujours. Qui existe toujours. Ouais. Il y a mon frère qui est là-bas, le Hajj Moussadak. Hajj Moussadak. Voilà, c'est un magasin qui a été inauguré en 63. Et on l'a appelé, à l'époque, Algérie Sport. En 63, voilà. Maintenant, on a ce magasin, on a le magasin de Al-Qasba, aussi, en face de la Wilaya. Ouais. Voilà, ouais. C'est toujours la chaîne Ben Bekir. Voilà, on est très sain les articles de sport. Voilà. Et le papa était un ancien joueur du MOC, ou mes oncles, et il a toujours été sportif. Et on n'a pas changé d'activité, on est toujours dans le sport. Voilà, la famille Ben Bekir, connue à Constantine, Maharoufa, fait les articles de sport depuis 63 et... Donc 60 ans, vous imaginez, 60 ans d'existence, c'est-à-dire une année après l'indépendance, voilà. Le premier magasin de sport qui est ouvert à Constantine. Et moi-même, en étant petit, j'ai acheté pas mal d'articles de sport à l'époque quand j'étais petit. On a joué un petit peu au foot, au volley, et puis il a équipé pratiquement tous les sportifs, tous les clubs. Le club, aussi constantinois, Mok, CSI. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Non, CSI, c'était l'équipe de Constantine. Quelqu'un, Ami Ismaïn Haroun, Rabbi Rahmou, il disait qu'on achète chez nos amis. Il n'y avait pas, qu'on était frères, Tilgaf, la famille, deux frères, Wahed Mokiste, Wahed Clubiste. Et ça a marché toujours comme ça. C'était la bonne époque. Alhamdoulilah, on a toujours gardé des bons amis du CSI jusqu'à maintenant. Il y a des Ben Bekir qui sont des clubistes. Des cousins sont des clubistes, nous on est moquistes. Et ça a été toujours comme ça. Voilà, on est des anciens sportifs. Alors justement, puisqu'on parle d'articles de sport, alors la généralité de ton magasin, donc elle fait pratiquement toutes les disciplines sportives. Toutes les disciplines. Natation, karaté, judo, football, basket, taekwondo,
où les sports maintenant, c'est des sports particuliers. Les gens font des sports chez eux. Oui. Voilà, on fait tout, pratiquement tous les articles. Bah, écoutez, on sent qu'il y a une démocratisation du sport à Constantine, même en Algérie, de façon générale. Alors, quand vous voyez, je filme un petit peu le magasin. Donc, ça, même, vous avez même des coupes, hein, oui, des coupes pour les 5 juillet, novembre. On a tout ce qu'il faut. Voilà, vous avez tous les articles de sport. Si un jour vous êtes de passage à Constantine, puis c'est des prix attractifs aussi. Hein, il faut dire ce qu'il y en est. C'est très intéressant. Avec les maillots de l'équipe nationale, Chabab Khassantena, Mouloudi Khassantena, c'est le dernier maillot d'ailleurs du Mouloudi à Constantine. On est un peu chauvin, Real Madrid, Juventus, Machallah. Puis vous avez tous les ballons, Laibak, foot, basket, hand, voilà. Vous avez le choix. Alors, il n'y a pas uniquement pour les hommes, il y a aussi pour la jeune féminine. Pour les femmes aussi. Voilà. Hein? Pour l'aérobic. Là, on regarde un petit kimono pour les petits, hein? Avec le logo d'Algérie. Mashallah. Voilà. C'est pour quel âge, Hadakhoya Hamid? Hada, il a taille 6 ans. 6 ans, voilà. Donc, vous pouvez équiper vos enfants. Et puis, vous avez même des masques pour la natation, pour la plage, des chaussettes, des soquettes, des petits maillots pour les enfants aussi. Voilà. Il y a de tout, voilà, il y a de tout, mashallah. Donc, voilà, la rue Petit, rue Boudarbala, ex-rue Petit à Constantine. Voilà. Et vous avez aussi le magasin de la rue Casanova, Tal Qasba, voilà, trois magasins, Huichen. Et récemment, le tout dernier, il est à Bardo. Le dernier à Bardo. À Bardo, ouais, voilà. Ben Bakir At, mon fils. Allah Ibak. Voilà. Donc l'entreprise s'agrandit. Ça prouve qu'il y a du sérieux. Voilà. Mashallah. Voilà. Et toujours dans le domaine sportif. Toujours dans le domaine sportif. Voilà. Tu pratiques du sport, Hamid? Oui, mais particulier. C'est sport chez moi. Voilà, c'est nécessaire. J'ai un petit tapis, un vélo, juste pour la forme. Allah Ibak, Allah Ibak, Mashallah. Le papa, l'Arhamo, il est mort quand exactement? Il est mort il y a 8 ans. 8 ans, oui. Alhamdoulilah. Ouais, c'est quelqu'un d'adorable, de formidable, qui a marqué l'esprit des Constantinois et de la famille sportive constantinoise. Ancien joueur du Mans, ancien dirigeant. Ancien joueur du Mans, qui est ancien dirigeant aussi. Voilà. Voilà. Allah ibarak, mashallah. Allah ibarak. Donc voilà, je m'arrête. Établissement Ben Bakir, hein, Ben Bakir Sport. Si vous êtes de passage à Constantine, vous voulez acheter des articles de sport pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, allez-y, n'hésitez pas. Ben Bakir Sport, la rue Petit. Ex-rue Petit, rue Boudarbala, vous serez servi. Et puis l'accueil aussi des chaleureux, vous trouvez un personnel très souriant, Mashallah. Allez-y, n'hésitez pas. Et puis, Mashallah. Voilà, tout, ça nous fait plaisir de montrer quand même une famille constantinoise qui a marqué l'histoire du sport constantinois, algérien même, on peut le dire, au point de vue national, parce que c'est quand même une famille qui est très connue. Voilà, donc je ressors du magasin, la rue Petit, là vous la voyez, avec. Vous avez la famille Sibda qui nous voulons à Constantine, c'est le quartier Salah Mamseya. Salah Mamseya, voilà. Alors en plus, quand vous achetez un article de sport. De chaque ville, un ski, il n'y a pas pour manger le hummus. Voilà, il y a un déclin. Il y a un en face. Alors deux en un, vous achetez votre article de sport et vous mangez une hummus à la Constantinoise. Et en vous souhaitant un bon appétit, puis bon sport et. À très bientôt, Inch'Allah. Hamid Khoya, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Barakallahu fik. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Hamid. À très bientôt, Inch'Allah. Ma salama.